Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Gus, bienvenue sur FIFA 14 pour le début de ma carrière de manager. Voilà, je l'avais annoncé, donc ça va commencer à partir donc d'aujourd'hui. C'est donc parti, carrière de manager. Alors, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec mon choix d'équipe. Hein. Non, je vais pas en Corée, excusez-moi. Non, la Corée, faut pas abuser non plus, mais bon. Donc en Russie, en Russian League, et ce sera donc le Zénith, avec une belle équipe, déjà avec Dani, Kazakov, Hulk, Shilokov, Fizel, Sirganov, Krichito, Lambert, Luis Neto, Anyukov et Lodigen. Et l'objectif, bah, ce sera bien sûr de construire une équipe, une belle équipe, quoi, avec le Zénith de Saint-Pétersbourg. Donc 5 minutes en pro, compétition européenne de la première saison. Ah oui d'accord, on s'en fout, on verra. DTCL du réseau de recrutement. DTCL, RR, une nouveauté FIFA 14 vous présente les bases du système de recrutement ainsi que le paramétrage de vos recherches. Il est vivement recommandé de consulter en intégralité. Ok. Et ben écoutez, c'est parti en tout cas. Hein. Comment vais-je m'appeler? Genre oui, je sais, c'est un peu le problème, hein, c'est que c'est jamais original, je sais. C'est toujours le même nom. Toujours la même nationalité, je sais, hein, on sait comme ça. Hein. Vous le savez depuis le temps que vous regardez mes vidéos, de toute façon, quoi Mangus russe, ça rime et c'est pareil. Chemise cravate si tu veux, bleu foncé, gris si tu veux. Carnation moyenne si tu veux, mince si tu veux. Bonjour. Ce mode de carrière. Carlos Tevez est arrivé, mais on s'en fout, mais dis-nous plutôt que. Quoi, mais nouveau leader. Enfin, nouveau leader, nouveau. Donc là, on enregistre le manager. Voilà. Voilà, quoi, Mangus Zénith de Saint-Pétersbourg. On va aller voir nos mails directement. Alors, objectif est championnat. Le CA mise sur une saison pleine de réussite. Nous avons hâte de voir vos compétences et votre détermination au service des joueurs. Nous vous jugerons surtout sur vos résultats de championnat. Le club vous a fixé l'objectif suivant, être sacré champion de Russie. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Entraîneur adjoint, nous... bienvenue ici, sans plus attendre, je vais t'aider à monter un réseau de recrutement. Nous comptons déjà quelques recruteurs. Ok, on verra ça plus tard. Je m'appelle Anatoly Tchekov. Je suis l'un des recruteurs. Je voulais juste me présenter, t'informer comment les autres recruteurs et moi-même pouvons t'aider. Donc déjà, on me tutoie. Déjà, hein, je suis le manager, on me tutoie. Non. Il existe deux types de recrutement. Ok, ok. Président, information importante sur le marché des transferts. Le marché des transferts maintenant ouvert. N'oubliez pas que les valeurs d'un joueur varient en fonction de sa forme physique, du temps restant sous contrat. Ok, ok. Et en Coupe nationale, ils veulent les 8e de finale. Ok, bon. Mais pas... Ouais, donc il y a les joueurs qui peuvent nous envoyer des messages. Ma carrière, ok, demande de fonds, parcourir les offres, ok, on s'en fout de ça pour l'instant. Les jeunes, ah ça va être important, c'est les jeunes, c'est bien ça. Les contrats, ok. Le calendrier. Donc là, on a déjà des matchs amicaux. 3 matchs amicaux là. Un contre Fulham, ok, ok, ok. Stat équipe, stat joueur, le classement, et puis là c'est un peu comme la même chose que le solo. La gestion équipe, équipe club, Saint-Pétersbourg. Équipe nationale, pas encore bien entendu. Hein. Rapport équipe, dispositif, ok, numéro maillot, bon, ça ok, pas de problème. Voilà, bon bah écoutez, on va aller voir déjà l'équipe hein, quand même, ça c'est important. Voilà, donc une belle équipe, hein.
Franchement, une très très belle équipe, y a rien à dire. Pour commencer, oh là là, ça, Hulk, c'est assez impressionnant. Bref, Timochuk, Bistroff. Très bon tout ça. Ansaldi, Archavine encore là. Magnifique. C'est un de mes joueurs préférés, Archavine. Il faut savoir quand même que Archavine, c'est une de mes. Voilà, c'est. J'adore Archavine. Voilà, c'est un ancien, j'adore ce joueur. Ouais, voilà, bah donc vraiment une très très belle équipe, homogène, bien, belle note. C'est pas non plus l'équipe de tueur, mais c'est vraiment une très très belle équipe. Voilà, bah écoutez, c'était vraiment une petite vidéo pour vous présenter mon début donc de carrière en mode manager. Donc n'oubliez pas, sur l'FMKO, il y aura la carrière avec mon joueur pro et sur la chaîne Quamangus, il y aura ma carrière à manager. Voilà. Je ne sais pas à laquelle enfin, si vous intéressez au mode carrière ou pas, mais bon. En tout cas, il y aura un mode carrière avec l'équipe du Zénith Saint-Pétersbourg sur la chaîne Quamangus. Voilà. Écoutez, moi je vais faire mes petits trucs là, avec les transferts, mes réseaux, tout ça. Et puis bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, pour le commencement, et je vous expliquerai donc ce que j'aurai fait. Voilà, et on avancera tranquillement, tous ensemble, sereinement. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous voulez me dire quelque chose, si vous voulez critiquer, si vous voulez m'encourager, si vous voulez me dire, tiens, il y a quelque chose que tu n'as pas fait, ça peut être sympa de le faire, ou essayer de recruter un tel joueur, essayer de faire une équipe 100% russe, non, enfin, je sais pas, non, enfin, peu importe, on n'est pas sur PCM non plus, hein, mais voilà. Bref, allez, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Et donc, c'est parti pour le mode carrière dans FIFA 14 avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Ciao tout le monde!